Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer du pain. Du pain au maïs. Khubz nta dora. Douzou le maqadir wa tariqat at-tahdir. Pour le maqadir nta le khubz, 300 g de farine. 300 g nta daqiq. 300 g de semoule extra fine, le fino. 300 g de samida raqiqa, le fino. Une cuillère à café du sel. Malqa sghira nta lmelh. Lmelh ala hasab dduq. 15 g de la levure boulangère. 15 g nta lkhamira lfouria. Une cuillère à soupe de miel. Malqa kbira nta l'asel. Li ma andouch l'asel idir une cuillère à soupe de sucre ou bla sucre. 100 g de farine de maïs. 100 g nta daqiq nta dora. De semoule de maïs, 100 g de samida raqiqa de dora, le semoule samida, ml de l'eau tiède, 450 ml de l'eau mei dafi. 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Jouj ma'alqat kbar nta zit zitoun. 2 la levure, la khmira. 2 miel. 2 la semoule de maïs. 2 l'eau tiède. Je vais bien mélanger et je vais les laisser 10 minutes. 10 minutes. J'ai tamisé la farine, la semoule, de maïs, la farine de maïs. Je vais mettre du sel. Je vais mélanger. Zit. Oh, je l'ai laissé à 10 minutes. مترو دو لو غادي نديرها في العجانه ونخليها نعجن لا بات بوندون 10 مينوت 10 دقائق Je vais les couvrir et je vais en laisser tartiner. Je vais les laisser une heure. Ça a wahda. Voilà la ajina hay tartinerat. Un peu de farine, farine de maïs et la farine normale. Daqiq. العجينه
غادي نقطع العجينة على 5، دو لا سمول، voilà le petit pain et son gonflet. J'ai pris une fourchette à les piquer. غادي نديرهم في الفران à 210 pendant 30 à 35 minutes. On servait la cuisson. Le four, je l'ai allumé en bas et en haut. شعلت الفران من التحت من الفوق à 210. نخليه 30 دقيقة حتى 35 دقيقة. Si on voit le pain, il est cuit avant 30 minutes, on le sort. Le four, ils sont pas tous pareils. Chaque four, il a sa chaleur. Chaque four qui... C'est pas pareil. Ils sont pas tous pareils, les fours. Voilà le pain. Je l'ai laissé 27 minutes. Pain de maïs. 27 دقيقة à 210. Voilà le pain au maïs. Bon appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.